Édition spéciale sur Infotrafic. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Passion 14RM, très heureux de vous retrouver sur Info de C France pour cette édition spéciale de l'Infotrafic. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18 décembre 2016. Nous passons, c'est très urgent sur Info de C France, nous passons en édition spéciale pour cause de deux gros problèmes qui s'est passé à la RATP, sur le réseau de la RATP. En même temps, j'étais pas très loin de ces problèmes. Deux grosses infos après le reste des infos qui n'étaient pas très importantes, mais qu'on va quand même les citer. Puisque c'est quand même le point d'infographic. Avant de commencer, déjà, vous pouvez... Déjà, le gros info, c'est qu'il y a toujours le pic de pollution autour du Paris. Et hier, c'était la dernière le dernier jour. C'était pour l'instant le dernier jour. Pour les transports gratuits. Pour les transports qui sont gratuits. Vous avez pu voir ce matin le TC week-end de RATP 77 et de moi-même en édition du week-end qu'on pense qu'on fera une fois par semaine tous les week-ends. On retourne sur l'infotrafic. On commence par nos deux points les plus importants. On commence avec le RRB trafic interrompu. Alors, donc, l'information est à 17h30. Sur le RRB, trafic interrompu entre les arrêts Châtelet-Léal et Le Bourget à cause d'un incident grave de passagers. On ne connaît pas encore les causes et les morts de tout ça. Nous le saurons un peu plus dès demain dans notre prochaine édition. Et pour demain, on annulera le SDS Info placé en édition spéciale pour demain. Voilà. Mais au moins, vous pourrez savoir un peu que demain, il n'y aura pas d'SDS Info, mais une nouvelle édition spéciale. Donc, trafic interrompu, j'étais sur le RRB, mais bloqué à l'arrêt la place. Alors, si on fait mon sentiment à la place, le premier train qui partait avant que je prenais, bah, il était bloqué à la place, donc tous les voyageurs devaient prendre un autre train pour être arrivé à la place. À Cité Universitaire, il commence à bloquer. Et après, à Denfert Rochereau, il commence à bloquer et il décide que tout le monde sort parce qu'il y a eu un problème. Donc tout le train qui t'arrivait dans Fort-Rochereau où j'étais était vide. Donc en même temps, je voulais prendre la ligne N4, mais comme par hasard, ça tombe en problème. Trafic perturbé, la N4 du métro parisien, trafic perturbé dans les deux sens à cause d'un colis suspect. Et ouais, quand même, c'est gros. Et à un moment, à l'arrêt Châtelet, il y a eu des problèmes de rail. Et ouais. Donc en gros, j'ai été bloqué aux arrêts, dans le matériel où j'avais pris, j'étais bloqué à l'arrêt de Saint-Sulpice, à Odéon. Et à un moment, quand il allait vers Odéon, coupure d'électricité sur les rails du M4, l'électricité dans les rails du M4, dans les rails, qui dit coupure dit les lumières du train commencent à s'éteindre sur quelques-uns, qui dit ça dit évidemment freinage puissant alors qu'on roulait qu'à 40 km/h. Et ouais, c'est lourd. Je peux vous assurer que ça bouscule, mais quand j'étais, ça bousculait mais à mort. Tu voyais tout le monde qui allait commencer à tomber, mais voilà, c'est un truc de malade. Ça, c'était pour le truc à 17h30. Et à 20h, pour l'info, c'était pour le métro 12, mais ça, on peut s'arranger. C'était depuis ce matin, il y a eu des problèmes. Ils ont eu des trafics ralentis sur la ligne 12 depuis ce matin. Bon, c'est pas leur faute. Je sais pas si c'est ce que c'est à cause des MF67 de la ligne 9 qui sont arrivés. Je sais pas, peut-être. Ou c'est juste qu'ils ont eu peut-être des manques de voitures, ou ils ont eu des problèmes de transfert. Je sais pas encore la cause du. De N12, en ce moment même ils sont toujours en trafic ralenti. Sur la ligne A, trafic perturbé à cause d'un colis suspect. Entre les arrêts, je crois, vers Nanterre à Saint-Germain-en-Laye. En Laye plutôt. Et pour la ligne D, trafic ralenti. Merci d'avoir regardé cette édition spéciale de l'actuelle. Édition spéciale de l'infotrafic.
Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos chaînes respectives. Pour moi, sans prononcer, s'agit entre crochet FR et mon ami RATP77. N'hésitez pas à nous retrouver sur mon compte Instagram, sur mes deux comptes Instagram, PassionBus 14RM-100 et Sager et TransportJeuVlog. Les liens de notre chaîne YouTube est dans la description. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur notre compte Google+, en Faut-il France, pour retrouver plus d'informations. Comme je vous ai dit, prochain rendez-vous d'info demain, SDS Info est annulé évidemment pour qu'on fasse notre édition spéciale demain. Je pense qu'au futur on s'offrira un site internet où on pourra vous poster l'information. Et je pense des directs avec l'accord des RATP 77. Merci d'avoir regardé cette édition spéciale d'infographic. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau point d'édition spéciale. À demain sur Faut-il France. C'était Sylvain 14 Gamer. Sur ce, bonne soirée et ciao tout le monde. Info TC France.